Le débat du dimanche, très heureux de vous retrouver pour le décryptage de l'actualité. Un numéro aujourd'hui qui sera diplomatique, judiciaire et politique. Diplomatique avec la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique. Il a été au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Une visite qui coïncide avec celle du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui était également sur le continent. Quel enseignement tiré de ces visites? Paris et Moscou se livrent-ils une bataille sur le continent africain? Actualité judiciaire, vous le savez, ce mandat d'arrêt international de la Cour suprême à l'encontre de certains dignitaires du régime Ibrahim Boubacar Keïta. Quelle est la portée de ce mandat? À quoi pourrait-on s'attendre? La question qu'on va poser à nos invités. On va également parler de l'actualité politique, la demande de démission formulée par certains partis politiques, demande de démission du Premier ministre Choguel Maïga, avec nos invités donc Maître Cheikh Omar Konaré, avocat. Maître, bonsoir. Bonsoir. Mamadou Ba, il est économiste, Mamadou Aboubakar Ba, qui participe au débat du dimanche pour la première fois. Il nous a dit il va être comme l'autre économiste, Modibo Mahomakalou, qui est également sur le plateau. Ba, bonsoir. Bonsoir, c'est cool. Voilà, donc on peut dire que c'était un passage devant le jury. Okay. Et à la fin de l'émission, on verra ce que ça va donner. Modibo Mahomakalou, économiste, bonsoir Mao. Bonsoir. Et cool. Le quatrième invité qui est dans les embouteillages, également un invité junior qui participe pour la première fois, Balan Diakité, un jeune politologue, rédacteur en chef de l'analyse de la semaine. Il est dans les embouteillages. Premier sujet donc de ce débat du dimanche, la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Il a été au Cameroun, au Bénin, également en Guinée-Bissau. Rapidement, Boubacar Ba, que retenez-vous de cette visite du président français? Bon, ce que je retiens, c'est que cette visite déjà sollicite beaucoup d'intérêt. Dans la mesure où il y a eu un réajustement de la politique extérieure française, notamment en Afrique, qui a été décrié pendant le premier mandat du président Macron. On voit qu'il essaie de se rattraper. Déjà, il n'y a plus Jean-Yves Le Drian, qui normalement, de notre côté du Mali, posait réellement problème. Et puis, il y a aussi cette volonté de faire bouger un peu les lignes concernant la position neutrale des Africains pour la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt de l'Afrique, parce que aujourd'hui on n'a pas intérêt à rentrer dans cette guerre qui, pour ma part, est inutile, parce que si vous regardez certains pays, dont le Sénégal tout de suite, et avec le président Macky Sall qui est un négociateur aussi, qui a été négociateur pour les accords des céréales pour la Russie et l'Ukraine. Donc déjà, le Sénégal importe pratiquement 51% du céréal via la Russie. Et il y a aussi le fait que la Russie est le troisième partenaire du Sénégal. D'accord. Donc le Sénégal a tout autant intérêt à faire attention à ses relations avec la France qu'avec la Russie. D'accord. Maître Konaré va parler de la situation en Ukraine. Effectivement, Macron pouvait se faire du souci, puisqu'on a vu lors du vote d'une résolution au niveau des Nations Unies par rapport à l'Ukraine, on a vu l'abstention de la plupart des pays africains. Ça veut dire que de moins en moins, les pays africains sont neutres quand il s'agit de choisir peut-être entre la France et la Russie. Et il fallait que Macron vienne au lendemain de ces votes-là. C'est un contexte dont on peut parler également. Et bonsoir à tous. Vous savez, la France sans l'Afrique perd son rang de puissance internationale. Donc il faut que la France travaille à consolider son précaré ex-colonial, son précaré africain. Et ce précaré est en train d'être ébranlé par un sentiment anti-français de plus en plus fort, mais aussi par la volonté de certains pays comme le Mali de s'émanciper de la tutelle ex-coloniale de la France. Alors il faut donc que l'édifice ne s'écroule pas, et c'est la raison de la visite de Macron dans plusieurs pays africains. Non seulement resserrer les liens entre la France et ses pays, mais également éviter
que l'exemple malien ne fasse pas tache d'huile. Cela dit, il faut mettre les efforts de Macron en parallèle avec ceux déployés par les États-Unis, qui sont un partenaire de la France. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, va lui aussi entamer une tournée en Afrique. Et tout ça se passe au moment où Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, boucle sa tournée en Afrique. Donc l'Afrique devient un champ de rivalité, comme elle l'a toujours été, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et nous devons simplement, nous, Africains, travailler à ne pas trop basculer d'un côté ou d'un autre, mais plutôt avoir pour politique de tirer parti de tout ce que nous pouvons des deux blocs. Ça, c'est la stratégie que nous devrions observer. Ok. Mourio Makalou, M. Ba, Maître Konare, des similitudes dans leur analyse. Pour Ba, c'est une visite à situer dans le contexte de la guerre Russie-Ukraine. Pour Maître Konare également, la France ne veut pas perdre du terrain par rapport à la Russie. Mais est-ce qu'on peut parler peut-être du choix spécifique du Cameroun, du Bénin et de la Guinée-Bissau pour cette tournée? Oui, merci Sekou et merci à mes co-débatteurs et bonsoir à nos aux téléspectateurs qui nous regardent. Je pense que tout a été dit autour de la table déjà, mais moi je vois ça comme dans un contexte de repositionnement stratégique de la France, parce que nous sommes dans un contexte de recomposition au niveau du monde. Ce que M. Brzezinski, l'ancien conseiller à la sécurité du président Carter, appelle l'échiquier mondial, qui est en train de se recomposer. Parce que de plus en plus, maintenant, nous quittons un monde unipolaire mené par les États-Unis vers un monde multipolaire. De l'autre côté, les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, ce que je vois dans ce cadre-là, c'est que la France essaie de se repositionner à travers un contexte de crise d'abord alimentaire, les pénuries alimentaires, de crise énergétique, le manque, les pénuries de, enfin, la hausse du prix des carburants et la pénurie des intrants agricoles, parce que vous savez, nous, notre sous-région risque d'être fortement impactée, on risque de connaître un déficit de 20 millions de tonnes de céréales cette année à cause du manque d'intrants agricoles. Et tout cela à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi la crise sécuritaire alimentaire, mais aussi, c'est-à-dire les trois pays qui ont été choisis, c'est d'abord le Cameroun. Il faut surtout constater que le président Macron était quand même accompagné par ses nouveaux ministres de la Défense et des Affaires étrangères, et que c'est sa première sortie en dehors de l'Europe depuis sa réélection pour un second mandat. Et donc, le Cameroun est la première économie d'Afrique centrale. C'est très intéressant parce que c'est un pays très stratégique à tout point, à tout égard, pour les différents, quel que soit le niveau qu'on constate. Parce que d'abord, c'est un voisin du géant nigérian, première économie du continent. Le Cameroun a des frontières aussi avec la République centrafricaine, ça n'a échappé à personne. Et une frontière aussi avec le Tchad. Et à son sud aussi, le Cameroun a des frontières avec trois pays pétroliers, la Guinée équatoriale, le Congo et le Gabon. Donc en même temps, il y a l'insécurité au nord, à l'extrême nord du Cameroun, mais surtout, la France a perdu beaucoup de place au Cameroun, parce qu'elle est le sixième partenaire commercial du Cameroun. Même un petit pays comme les Pays-Bas passe avant la France au Cameroun. Et ce qui s'est passé, c'est que ces 10 dernières années, les compagnies françaises ont perdu, ont perdu 40% de leur part de marché au Cameroun. Mm-hmm. Elles sont maintenant à 10% au lieu de 40% du marché camerounais. Maintenant, le Bénin, c'est la sécurité, parce que vous savez, il y a le Bénin qui est, en fait, c'est ce qu'on dit, que le Bénin a sollicité le soutien de la France par rapport aux problèmes sécuritaires. Mais il y a aussi une bonne nouvelle par rapport à la restitution des trésors du royaume d'Abomey qui ont été restitués. Donc la France veut surfer sur cette phase positive de la restitution des biens quand même qui ont été pillés
en 1892 au Bénin. Et pour la Guinée-Bissau, c'est le fait que le président Mbalo soit le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Okay. Et vous savez qu'il y a trois transitions qui sont en train de se dérouler dans laquelle la France veut avoir une voix. D'accord. Nous avons donc rejoint notre quatrième invité qui était dans les embouteillages, Balan Diakité, politologue, rédacteur en chef de l'analyse de la semaine. Je disais que le débat d'aujourd'hui, c'est deux analystes juniors hein, face à deux analystes seniors. C'est aussi cela, le plateau du débat du dimanche. Également un passage devant le jury. Vous, par rapport à cette visite du président Macron, qu'est-ce que vous pouvez dire à chaud ? Merci pour l'invitation. Je pense que cette tournée africaine du président Emmanuel Macron, si on doit l'analyser, on doit l'analyser à partir du contexte d'abord. Et c'est l'analyse du contexte qui va nous révéler par la suite les enjeux qui se dessinent autour de cette tournée africaine. Et à mon avis, le contexte, il est double. D'abord, tout le monde sait que le contexte international est dominé aujourd'hui par la crise ukrainienne. Et donc, la Russie est opposée effectivement aux puissances occidentales qui cherchent d'une manière ou d'une autre à renfler les rangs de leur soutien. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Macron en Afrique représente justement cela, puisque dans son discours, que ce soit au Cameroun, au Bénin ou encore en Guinée-Bissau, on voit bien évidemment qu'il n'a pas manqué de s'attaquer effectivement à la Russie comme étant la seule puissance européenne aujourd'hui qui soit impériale et colonialiste. Et donc il le dit sur un continent africain qui par le passé a été colonisé aussi. Donc c'est une manière pour lui de mobiliser les affects émotifs des Africains pour soutenir la cause occidentale en Ukraine. Donc à mon avis ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui fait référence également au contexte c'est le fait qu'aujourd'hui la France est en décroissance vertigineuse en termes d'influence en Afrique. Donc une visite en Afrique centrale, c'est un moyen pour la France de réaffirmer davantage que c'est un acteur et qu'il demeure un acteur important dans la géopolitique africaine. D'accord, la France en décryptude, en perte de vitesse, notamment face à la Russie. Le président Macron qui a tout au long de cette tournée fustigé la présence russe sur le continent africain. Un extrait que je vous invite à suivre ici. La Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir des officines que sont Rouchette ou des Spoutniks que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « Nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous ». Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la France a perdu l'Afrique, sinon son précaré l'Afrique francophone, puisque si on essaie de remonter l'histoire, tout cela avait été institué par le général de Gaulle, la Ve République, les réseaux Focard, Bob Denard et tout. Mais de plus en plus sur le continent, il y a des présidents africains décomplexés. Il y a une jeunesse africaine décomplexée. On a même vu au Bénin, par exemple, lorsqu'on a voulu sortir les jeunes pour aller accueillir Macron, ils ont dit que non, c'est la communauté française, les Français vivants au Bénin, à Cotonou, qui doivent aller sortir pour aller accueillir le président, mais pas eux, jeunes béninois. Est-ce qu'on peut dire que la France a définitivement perdu l'Afrique francophone? Bon, je ne dirais pas ça, mais je pense que la France est totalement en perte de vitesse, que ce soit ici en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans une partie de l'Afrique centrale. On l'a vu aussi en Centrafrique, les mêmes problèmes. Donc maintenant, et aussi on voit le fait que ce qui gêne le plus avec le président Macron, c'est cette attitude à vouloir forcément donner des leçons. Oui, très clairement, parce que si vous regardez ici, par exemple, aujourd'hui on a des jeunes hommes à la tête de nos différents États. On ne peut pas forcément leur dire quelle politique
employés ou bien quels états, avec quels États, je ne sais pas, nouer des partenariats, pendant que, on se rappelle aussi, la France, c'est par le pragmatisme et la raison d'État que la France s'est conçue. La France a émergé pendant qu'elle était entourée de ses principales adversaires, on va dire ça. Malgré ça, elle a réussi à se faire son chemin en faisant et en dénouant des alliances, on va dire. Et donc maintenant, pourquoi de notre côté, on ne devrait pas aussi faire pareil? D'accord. Maître Cheikh Morgan, comment est-ce qu'on en est arrivé là? En 2013, la France a été accueillie ici. Le président François Hollande a été accueilli en héros à Tombouctou, à Bamako. C'était le plus grand jour de sa vie politique, il l'a dit. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là d'un sentiment d'amour déforu à la décrépitude, au fait que les Africains, dans la plupart des cas, ne veulent plus sentir une certaine élite française? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, la France a commis deux fautes diplomatiques. La première a consisté, après avoir libéré notre pays en 2013, donc à nous refuser l'accès à Kidal et à y installer des groupes rebelles dont nous savons qu'ils feraient avec les terroristes. Donc, cette première erreur nous a fait, française, nous a fait donner la conviction que c'est la France qui soutient les terroristes et les rebelles. La deuxième faute a consisté à vouloir faire main basse sur notre système politique. Tant que le système n'avait pas été ébranlé à partir du coup d'État de la ratification, la France avait la haute main sur le système politique et le système électoral malien. Pour être élu, il fallait se mettre dans les valises de la France, faire le tour des chancelleries africaines, récolter des milliards sous la table et venir acheter le bon peuple malien pour être élu. Si vous n'aviez pas cette faveur, vous ne passiez pas, quelle que soit par ailleurs votre popularité. Et donc, seul le candidat de la France pouvait devenir président. Et une fois président, la France avait déjà accumulé sur ce personnage qu'il a trimballé dans ses valises tous les moyens de pression possibles et imaginables. Donc, ce président menait à la place de la France, la politique de la France. C'est ça qui a outré le peuple malien. Et il faut que la France le comprenne. Pour que nous puissions renouer avec la France, il faudrait qu'elle renonce à cette politique impérialiste déguisée. D'accord. Et que réellement, elle veuille nous accepter comme étant des gens qui veulent leur indépendance. D'accord. Comment est-ce que la France, hein, qui a les meilleurs codes diplomatiques, n'a pas pu tirer les enseignements de ces erreurs-là, puisque l'histoire entre l'Afrique et la France a toujours été teintée par des épisodes de ce genre? On se rappelle 1996, le président Alpha Omar Konaré avait refusé de se rendre à Dakar. On se rappelle également la bourde, hein, sinon il parlait de méprise des chefs d'État français, Nicolas Sarkozy, qui avait dit que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. On a vu le ton avec lequel s'exprimait Jean-Yves Le Drian, également la ministre Florence Parly et même Emmanuel Macron lui-même. Comment est-ce que la France n'a pas pu tirer les enseignements de cette méfiance, selon de cette défiance qui s'est installée progressivement au niveau de l'élite africaine, au niveau de la jeunesse africaine? Bon, merci Sekou pour la question. Je pense qu'elle est, très importante. Mais moi, pour moi, je pense que la politique étrangère française est anachronique actuellement, en vis-à-vis de l'Afrique. Je vais vous donner des exemples. C'est depuis que Sarkozy est venu, il a dit « France-Afrique, je vais m'en débarrasser ». Hollande, la même chose. Macron, la même chose. Mais à mon avis, ce qui s'est passé, j'ai l'impression que le lobby militaro-industriel a pris le dessus sur la diplomatie au niveau de la France. Parce que le tout sécuritaire, le tout militaire a pris le dessus
au niveau du Sahel et un peu partout. Et puis la France avait même délaissé l'Afrique à un moment. C'était les pays émergents, entre autres. Et ça, je le sais à travers un peu les ouvertures économiques qui ont été faites. Mais il y a un tournant générationnel, un changement générationnel. Vous savez, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. L'âge médian en Afrique est de 18 ans. Au Mali, 2 Maliens sur 3 ont moins de 25 ans. Ils ne connaissent pas la France. Ils ne connaissent pas la France comme nous. Donc, c'est-à-dire l'offre politique de la France ne correspond pas à ce que les Africains sollicitent. L'Afrique est ouverte sur le monde aujourd'hui et elle veut faire des choix. Les jeunes sont connectés. Ils veulent voir ce qui se passe en Asie, ils veulent voir ce qui se passe en Amérique du Nord, un peu moins ce qui se passe en Europe, parce que l'Europe est vieillissante. Donc il va falloir quand même que la France s'adapte, mais ça va être difficile. Ça va être difficile parce que si je vois même les pays d'Afrique francophone, le fait que la France est en perte de vitesse là-bas, c'est l'attitude aussi, la manière dont la politique française est appliqué en Afrique, mais surtout la condescendance, le paternalisme des autorités françaises. Quand vous entendez M. Macron parler, même durant cette tournée, mais il n'a pas de conseiller en communication pour dire aux Africains, faites attention, hein, la Russie est comme ceci, comme cela, faites attention, hein, c'est le dernier empire impérialiste colonial en Europe. Mais non, les Africains sont assez grands pour savoir. Le président Museveni d'Ouganda a bien répondu. Il a dit, nous les Africains, nous voulons travailler avec tout le monde. Et nous n'allons pas faire des ennemis de quelqu'un d'autre nos ennemis. Ceux qui veulent travailler avec nous, et qui nous respectent, nous leur ouvrons les bras et nous voulons travailler avec eux. D'accord. Monsieur Diakité, si la France perd du terrain sur le continent, ce sera manifestement au profit d'une autre puissance. On voit l'émergence des BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine, etc. etc. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, le Mali, par exemple, peut avoir des BRICS, Russie et Chine, ce qu'il n'a pas eu avec la France. Certains sont assez sévères dans leur jugement qui disent qu'on quitte un colon pour aller nous confier à un autre colon. Est-ce qu'il faut le penser comme cela? Oui, ceux qui le disent ont tout à fait raison de le penser, puisque déjà, du point de vue théorique, en relation internationale, on s'est dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais c'est une école de pensée parmi tant d'autres, puisque en réalité, on sait également que dans le multilatéralisme, chaque État a effectivement un avantage à tirer, un avantage comparatif en termes du commerce, en termes des relations politique et même sécuritaire. Et donc aujourd'hui, je me dis que les États africains sont tout simplement des acteurs rationnels des relations internationales. Ils savent désormais avec qui nous avons beaucoup plus de profits et avec qui on n'a pas beaucoup plus de profits. Malheureusement, nous n'avons pas une souveraineté économique et une souveraineté militaire assez fort pour adosser notre souveraineté nationale à cela. Donc je pense que c'est là le grand défi. Il va falloir à un moment donné que les États africains travaillent ensemble pour pouvoir mettre en place un bloc qui va pouvoir peser sur la balance au niveau international. Puisque aujourd'hui, seules les grandes puissances arrivent à tirer leur épingle du jeu. Nous sommes dans la vie du jungle, Hobbes l'avait dit depuis fort longtemps, et ça n'a pas changé en réalité. Et si les États africains restent dans cette situation de micro-État, il va falloir que nous assumions effectivement ce qui va en découler. Et ce qui va en découler, c'est que des loups viendront nous dévorer. Donc à un moment donné, soit on s'associe et on forme un front commun pour parler en notre nom au niveau international, puisque c'est ce qui va faire que l'Afrique pourra tirer effectivement son épingle du jeu qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Dernier aspect de cette tournée-là, Monsieur Ba, lors de l'escale de Guinée-Bissau, Emmanuel Macron a laissé entendre que la lutte contre le terrorisme au Mali, par exemple, est un prétexte pour mener une chasse au peuple. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi je suis peul et je ne pense pas que cela soit réellement avéré. De toutes les façons, je pense que le Mali, ce sont des peuls, ce sont des dogons, c'est toutes les ethnies que vous voulez.
Et puis, bon, on est aujourd'hui à la croisée des chemins et il nous faut faire preuve de réellement de pragmatisme, de savoir quel est ce qui est bon pour nous, que la décision soit prise par les Maliens, pour les Maliens. D'accord. Maître Konaré, des déclarations de ce genre, faut-il s'en inquiéter ou faut-il en rire? Dire que la lutte contre le terrorisme, c'est un prétexte pour mener une guerre contre une communauté précise. Non, il faut bien comprendre que depuis que nous avons chassé l'ambassadeur de France, Barkhane, Takuba, RFI, France 24, la France est devenue notre adversaire. Et donc, des déclarations de ce genre tendent simplement à soulever une ethnie contre une autre et à aggraver la situation déjà très compliquée du Mali. Et si quelqu'un d'autre avait tenu ça, si quelqu'un d'autre que Macron, si un Malien avait tenu ce discours, il aurait été traduit en justice. C'est dire que c'est un discours tendancieux, un discours tendant à soulever une guerre ethnique au Mali. Oui. Faut-il s'en inquiéter? Je pense que c'est un langage subversif. Parce que, vous savez, il y a deux choses. Ce sont des prétextes hein, pour quand même justifier le contexte sécuritaire et la crise sécuritaire. Parce qu'il y a deux choses, deux crises dont il faut toujours se méfier. Les guerres ethniques et les guerres religieuses. Ça, ça ne finit jamais. Le Mali est une nation. C'est un État-nation. Et puis ce que les gens ne savent pas, c'est la juxtaposition nord-sud, est-ouest, noir-blanc. Ça, ce sont des terminologies militaires pour diviser, pour régner. Ça, c'est la devise des impérialistes, diviser pour régner. Mais le Mali, c'est une nation. Les gens ne savent pas. Le brassage, il est peu le nom, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de Bambara dans sa famille ou de son règne ou autre chose. C'est ça qui trompe au Mali. Parce que nous, c'est pendant des siècles, les peuples se sont brassés. Tous les peuples ont eu le pouvoir aussi dans ce pays. Il y a eu de l'alternance et les empires et les royaumes se sont succédés. Mais donc ça, cela échappe à la logique de diviser pour régner, de juxtaposer ou d'opposer certaines franges de la population à d'autres. Ça ne marchera pas au Mali. Et je pense quand même que c'est vraiment dommage qu'on entende ce genre de choses parce que ce qui se passe au Mali, hein. Il y a trop de gens qui ont perdu la vie à cause du contexte sécuritaire et on devrait quand même faire tout pour qu'il y ait la paix et la stabilité qui est la base du développement. Parce que si le Mali s'embrase, c'est toute la région ouest-africaine qui va s'embraser. Et vous voyez déjà que même ce contexte sécuritaire, mais il se prolonge jusqu'au nord du Cameroun parce que vous avez maintenant ce qu'on appelle ISWAP, qui est l'État islamique en Afrique de l'Ouest, mais qui est en train de se propager au Cameroun maintenant. Et pourquoi on veut faire porter ce vecteur d'insécurité par des nomades que sont les Peuls? Je ne comprends pas. Tout à fait. Justement, monsieur Diakité, est-ce qu'il faut abonder dans le même sens? Puisqu'il y a eu beaucoup de débats sur cette sortie du président Macron, notamment sur une instrumentalisation d'une ethnie. Beaucoup ont pensé au Rwanda. Ils ont dit que c'est comme cela, ça a commencé. Mais est-ce que vous pensez que le Mali est un ciment beaucoup plus fort, beaucoup plus de ressort pour annihiler, pour anéantir cette menace dans l'embryon? Tout à fait, je le pense profondément, puisque dans notre société, traditionnellement déjà, nous avons un certain nombre de mécanismes, de ressorts qui nous permettent effectivement de se mettre au-dessus de ces différentes situations conflictuelles entre communautés. Le fait que nous ayons le cousinage par plaisanterie, le fait que même dans la famille, il y a un certain nombre de ressorts qui permettent à la famille de rester dans le temps de se pérenniser, notamment à travers les cousines, les belles-sœurs, la grand-mère, etc. Donc ça, ce sont des figures qui sont là, qui permettent à notre société de trouver les ressorts internes pour faire face à des situations conflictuelles qui peuvent naître à l'intérieur de la communauté. Voilà, sans oublier que récemment, Tabital Poulakou avait officiellement, à l'issue d'une rencontre avec
les autorités affirmer qu'il y a tout simplement la guerre contre le terrorisme au Mali et non contre une communauté. Cette importance, ça venait de Tabital Poulakou. Deuxième sujet de ce débat du dimanche, actualité judiciaire, vous l'avez su, ces mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de certains dignitaires du régime Ibrahim Boubacar Keïta, daté du 25 juillet, mais ce mandat a été publié, rendu public donc il y a quelques jours. Balandjakité, on reste avec vous. Quelle est votre première lecture de ces mandats d'arrêt internationaux? Je me dis que ça participe effectivement à la lutte contre la corruption, contre l'impunité, qui sont effectivement un certain nombre de sujets qui tiennent à cœur aux Maliens. Et on le sait à partir des recommandations des assises nationales qu'il faille aller dans ce sens-là. Et donc il y a une logique aujourd'hui de s'inscrire dans la logique des recommandations issues des assises nationales. Et je me dis que ces mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis il y a quelques jours contre ces personnalités participent effectivement à la consolidation de ces recommandations-là. Oui, c'est les recommandations des assises nationales de la Refondation, Maître Konaré, mais certains ont pensé que ça peut être soit peut-être un montage politique également ou une volonté réelle vraiment d'établir la lumière par rapport à cette histoire d'équipement militaire. Vous savez, la justice est libre de lancer un mandat d'arrêt contre qui elle veut. Mais il faut savoir que lancer un mandat d'arrêt ou bien convoquer quelqu'un, ou bien mettre quelqu'un en prison en attendant son jugement, ne fait pas de lui un criminel. Le criminel réel, c'est celui qui a été jugé, condamné, et condamné à nouveau par la dernière juridiction de condamnation. Et donc, la présomption d'innocence doit être respectée. Et c'est dommage qu'elle ne le soit pas, parce que dès que votre nom apparaît dans une affaire, le public malien croit que vous êtes coupable. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est qu'aujourd'hui, un mandat d'arrêt de la justice malienne aura des difficultés à être exécuté. Pour la bonne raison que nous sommes sous un régime militaire et que par définition, les autres pays ne nous considèrent pas comme une démocratie. Et par conséquent, c'est difficile d'exécuter ces mandats-là, d'autant que ceux qui sont visés sont pour la plupart des hommes politiques. Et on va considérer à l'étranger ces mandats-là comme des mandats politiques. D'accord. Voilà. Il y a un sous-aspect de ce que vous venez de dire. Peut-être on va l'aborder prochainement dans le débat, puisqu'on a vu les négociations entre autorités maliennes et ivoiriennes au Togo. On a vu certaines propositions tendant à ce que la Côte d'Ivoire rapatrie certains hommes politiques et que les 49 militaires ivoiriens également qu'on fasse une espèce d'échange. On va en parler, mais déjà le temps de faire réagir Makalou sur ce mandat. Ce sont des supputations. Mm-hmm. Apparemment, les négociations ne se sont pas bien passées à Lomé. Okay. Le médiateur, le président du Togo, qui avait décidé d'accepter la médiation entre la Côte d'Ivoire et le Mali par rapport aux 49 militaires ivoiriens qui sont arrêtés au Mali. Mais pour revenir à ce que Maître Konaré disait, moi, vous savez, c'est Balzac qui disait « La vérité et la justice sont souveraines parce que c'est elles seules qui assurent la grandeur des nations. » La présomption d'innocence, l'état de droit, tous les Maliens sont égaux. Je ne comprends pas qu'on poursuive certains, on ne poursuit pas d'autres, on lance des mandats d'arrêt contre certains... Je ne connais pas le dossier parce que ce sont des choses qui sont en cours. Moi, je ne suis pas expert en droit. Le maître Konaré peut peut-être nous éclairer. Mais je pense que des sommes fortes sont engagées dans ce débat. Si vous prenez la loi d'orientation et de programmation militaire sur la période 2015-2019, on parle de 1230 milliards de francs CFA.
et la loi sur la sécurité intérieure, on parle de 446 milliards de francs CFA. Si vous additionnez ces deux sommes, vous êtes à 1676 milliards. C'est presque l'équivalent des recettes fiscales, c'est-à-dire ce que la douane et les impôts nous rapportent pendant une année dans la loi des finances 2022. C'est énorme. Donc je pense qu'il va falloir, comme Maître Konaré l'a dit, peut-être, moi je pense qu'il ne faut peut-être pas instrumentaliser, qu'on a besoin de plus de transparence dans ce dossier, mais surtout la détention préventive, parce qu'il y a des gens qui sont en prison depuis très longtemps, on n'en entend pas parler. Et ce serait quand même bien, j'ai vu quand même une lettre circulaire du ministre Kasogué qui est datée du 28 juillet, qui quand même a fait des prescriptions, il a fait un rappel par rapport à 2020-2021, il avait sorti une lettre circulaire, par rapport à la responsabilité de la justice vis-à-vis des détenus dans les structures pénitentiaires. Donc, je crois qu'il va falloir quand même que nous sommes en période de refondation, que nous revoyons un peu tout ça et que vraiment nous allions, c'est-à-dire que nous fassions la part des choses et que surtout que la justice ne soit pas instrumentalisée contre des anciens régimes parce que, vous savez, comme l'a dit Napoléon lors de son sacre, les régimes passent, mais évidemment, les hommes passent des régimes eux-mêmes. D'accord. Monsieur Ba, on a l'impression que la justice est dans une sorte d'engrenage. Quand elle prend son temps, on dit qu'elle est lente, mais quand elle essaie d'activer, on peut penser à l'instrumentalisation. Que faire dans ce contexte, étant donné que Diakité a rappelé les recommandations fortes des Assises nationales de la Refondation, tous les Maliens souhaitent à ce que lumière soit faite sur ces affaires-là. C'est sûr, mais comme Diakité l'a dit, ce sont des recommandations des Assises nationales de la Refondation, mais malgré cela, c'est la transparence qui doit primer au-dessus de tout ça, parce que là, pour le moment, ce qu'on voit, par exemple, moi, Malien Lambda, ce sont des dignitaires de l'ancien régime. Donc, et comme l'a rappelé Madaloué Maître, ils ne sont pas condamnés, mais malgré, on s'active beaucoup sur la question. Et j'aimerais aussi, je me pose aussi une question, c'est-à-dire que ils ne sont pas les seuls responsables, c'est toute une chaîne. Donc pourquoi eux quatre seulement sont cités pour le moment? Et moi, je ne pense pas qu'un civil va s'hasarder à aller, je ne sais pas, tripatuer l'argent des militaires sans que certains aussi soient inclus dans le jeu, quoi. Et pour le moment, j'attends de voir réellement ce qui va se passer. D'accord. D'accord. Maître, on n'a pas le communiqué. Hein. Peut-être que ça s'est mal tourné à Lomé. Il n'y a pas de communiqué final hein, de ces premiers rounds des négociations entre autorités maliennes et ivoiriennes. Mais on a appris que ça peut être une espèce d'échange entre certains hommes politiques visés par ce mandat d'arrêt international et les 49 militaires ivoiriens interpellés ici à Bamako, qui peut avoir une espèce d'échange entre personnalités ça et là. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Ah, c'est des histoires. Non, c'est des histoires. Okay. Je ne vois pas décemment une autorité malienne aller négocier la livraison d'un colis humain ou d'un otage par voie de justice ou de décision. Non, je ne crois pas à ça. Ce que je pense par contre, c'est que, et je vous l'ai dit et redit, cette affaire de 49 soldats ivoiriens là, ça participe d'une mafia et non pas d'un mercenariat. Il faut libérer ces gens-là et trouver en contrepartie la paix avec la Côte d'Ivoire. Nous avons trop de fronts ouverts contre nous. Et la Côte d'Ivoire détient de sérieux instruments de représailles contre le Mali au cas où nous refuserions de lui restituer ses soldats. Vous avez l'arme de l'énergie électrique, vous avez les 3 millions de Maliens installés en Côte d'Ivoire qu'on pourrait expulser, vous avez beaucoup le port d'Abidjan qui pourrait nous être fermé, vous avez beaucoup de choses. Beaucoup d'instruments de pression que la Côte d'Ivoire a sur nous. Ce n'est pas la peine de risquer toutes ces représailles-là pour ces 49 soldats qui, de toutes les façons, ne peuvent pas renverser un régime. J'aimerais, avant de terminer sur ce sujet, vous répéter ce que j'ai toujours dit par rapport à la lutte contre la corruption. Vous savez, les mandats
Mettre des lasers, des mandats contre des gens, mettre des gens en prison, ça ne rapporte pas un franc à l'État. Nous avons commis l'erreur de mettre dans notre code de procédure pénale que la médiation pénale peut se faire en toute matière, sauf en matière criminelle, c'est-à-dire en matière d'atteinte aux biens publics. Alors que dans d'autres pays plus réputés, plus démocratiques que nous, tels que la France, tels que les États-Unis, c'est-à-dire que quand on vous reproche quelque chose, vous pouvez payer une caution financière en attendant votre jugement. Vous pouvez même payer tout l'argent et les poursuites sont terminées. D'accord. Mais du train où nous sommes en train d'aller là, l'État ne récupérera pas un franc. D'accord. D'ailleurs, ceux qui sont en dehors ne reviendront pas et nous n'aurons que des papiers. D'accord. Sous forme de mandat d'arrêt. Ça sert à quoi? D'accord. On a quelques minutes pour parler du dernier sujet de ce débat du dimanche. Je le dis, l'actualité politique ces derniers jours, marquée par cette demande de démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, exprimée par certains partis politiques, notamment l'ADEMA, PASRJ et puis d'autres regroupements depuis des semaines. Mamadou Ba, quel commentaire faites-vous de ce bouillonnement au niveau de la classe politique? Bon, moi je pense que c'est de bonne guerre, hein, quand même. Le Premier ministre actuel a joué au même jeu pendant le régime du président Ibeka. Donc ceux-ci aussi vont s'hasarder à lui faire la même chose. Et puis bon, aller tout de suite à la démission du Premier ministre qui va ensuite découler de la démission du gouvernement, peut-être que ça peut être fait, mais cela découle explicitement des pouvoirs du président de la transition. Et s'il veut le faire partir, je ne pense pas qu'il serait Premier ministre demain matin, quoi. Donc, ils sont dans leurs droits, mais je pense que tout de suite, ça serait mieux d'aller à l'essentiel, qui est l'organisation des élections. D'accord. Makalou, les partis politiques sont dans leurs droits, puisque le Premier ministre lui-même avait auparavant eu à exprimer sa désapprobation par rapport à certaines gouvernances. On avait dit qu'il avait lui aussi exigé la démission, notamment du président Ibeka. Le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Et le poste de ministre, c'est un poste politique. Je me tue à le dire aux gens que quand vous êtes nommé, c'est sur une base politique. Quand vous êtes membre du gouvernement, ça n'a échappé à personne que l'actuel Premier ministre est chef d'un parti politique qui doit concourir au suffrage universel pour atteindre la magistrature suprême selon notre constitution. Ce sont les partis politiques. Donc c'est de bonne guerre. C'est normal que le Premier ministre ne soit pas neutre. Et c'est normal aussi que ceux qui pensent qu'il n'est pas neutre demandent sa démission. Je me souviens, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, un chef d'État me disait, mais écoute, je nomme le Premier ministre au même titre qu'un ministre. Si je me réveille, je peux lui demander d'amener sa démission, c'est tout. Mais le plus important pour moi, il faut que cette transition aboutisse à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Ça vaut son pesant d'or parce qu'on ne peut pas se permettre une crise post-électorale après cela. Nous avons un cadre d'échange. Le plus important pour moi, c'est que ce cadre d'échange permette d'avoir un cadre transparent, parce que d'après ce que j'ai vu de la vidéo, parce qu'on peut sortir des choses de leur contexte, le Premier ministre a dit bon, il faut que les forces du changement puissent gagner, mais il n'a pas dit il faut que je vais tricher pour que les forces du changement gagnent, parce que c'est même pas lui qui organise les élections. Donc je pense que c'est de bonne guerre. Il ne faut pas qu'on sorte les choses de leur contexte. Mais maintenant, la balle est toujours dans le camp du président de la transition, qui nomme le Premier ministre et qui a le pouvoir de le révoquer. D'accord. Maître Panari. Oui, vous savez, la raison d'être d'un parti politique, c'est la recherche et l'exercice du pouvoir. Il se trouve qu'une partie du pouvoir est détenue aujourd'hui par Choguel Maïga en qualité de Premier ministre. C'est donc normal qu'on veuille l'éjecter de sa place pour l'occuper. Seulement, Choguel a mené depuis son avènement une politique à laquelle les Maliens, dans leur grande majorité, ont adhéré. Il est donc devenu une digue pour les réels détenteurs du pouvoir que constituent les militaires.
Vous savez, tous ceux qui veulent s'attaquer aux militaires et en particulier au président Assimi Goïta préfèrent s'attaquer à Choguel parce que Assimi a un fusil. Alors, ils préfèrent s'attaquer à Choguel pour se défouler. Mais le jour où Choguel ne sera pas là, ils s'attaqueront directement au président. Donc, d'où le rôle de digue indispensable que joue Choguel. Et d'ailleurs, vous ne trouverez personne dans la classe politique malienne qui puisse jouer le rôle de Choguel en tant que, c'est-à-dire en croiser le fer avec l'hyperpuissance française. Parce que la plupart de nos hommes politiques sont sortis du sérail français. En 1992, ces hommes-là ont frayé avec la France pour renverser le régime de Moussa, dont Choguel est l'héritier. Alors donc, et autant les gens sont parvenus à chasser Boubey pour atteindre Ibeka, autant ils s'activent à chasser Choguel pour atteindre Assimi. D'accord. Si on comprend ça, on comprend tout le reste. D'accord. Balan Diakité, vous avez le dernier mot sur cette question. Oui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, un parti politique, c'est pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Et donc, on comprend bien évidemment que l'enjeu ici, c'est vraiment la conquête du pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, un Premier ministre, il doit faire quand même attention parce qu'un discours politique a toujours un versant psychologique. Et on sait que nous sommes dans un contexte déjà fragile et c'est pas le moment vraiment de réveiller les démons de la politique qui peut. C'est pas le moment de parler de force.